Pour le jeu main droite, on utilisera les deux premières rangées. La position, elle restera quasiment toujours la même, à savoir index 6, majeur 7, annulaire 8 et auriculaire la touche numéro 9. De temps en temps, un déplacement pour l'index pour aller chercher le 5 et le 4. Moi, je vous conseille carrément de vous décaler quand vous avez besoin du 4'. Donc, vous vous décalez d'un cran vers le haut. Ça facilitera le jeu entre le 4' et le 6. La main gauche, mis à part le tout début de l'introduction où on doublera le La et le Sol, on sera toujours sur la même chose, à savoir 4 accords différents qu'on tournera toujours dans le même ordre, quel que soit le thème. Donc on sera sur du La, sur du Sol, ensuite on sera sur du Mi et du Fa. Et ce sera ça du début à la fin. La, Sol, Mi, Fa. Toujours pour la main gauche. Si vous débutez le diato, il vous faudra peut-être un petit peu de patience pour que ça se cale, mais ça va fonctionner, j'en suis certaine. Donc on s'imagine être sur du 4 temps, très classique, basse, accord, 1, 2, 3, 4. Sauf que là, l'idée, ça va être de marquer le troisième temps sans appuyer sur la touche. Sans être sur la basse. Donc ça fera basse, accord, accord, basse, accord, accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vraiment, ça ne fonctionne pas pour vous pour le moment au niveau de la main gauche. Vous pouvez d'abord faire le morceau en utilisant toutes les touches main gauche pour les quatre temps.